J'emmène vos rêves au bout du monde. Jour 5, c'est parti! Bonjour mesdemoiselles. Bonjour. Vous allez bien? Ouais mais non, ça va. C'est l'anniversaire de Didier, je sais pas, mais on lui fait une petite surprise. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Didier. Joyeux anniversaire. Voilà, à toi de souffler. Ouais. Merci donc. Sog est jumelé avec Modav en Belgique. Tous les 5 ans, on reçoit nos jumeaux de Modav et tous les 5 ans, nous allons à Modav. Donc, on nous a fait découvrir le Zizi Coin Coin et régulièrement, on boit le Zizi Coin Coin et la petite bière belge avec sympathie. Hier, je n'ai pas trouvé de bureau de poste dans les villages que j'ai traversés. Et aujourd'hui, il y en avait un dans le village où je m'arrête, à Saint-Alban. Sauf qu'on est samedi et qu'il ferme à midi et que je ne serai jamais arrivé là-bas. Donc, ça veut dire que si je veux renvoyer ma tante, je dois attendre lundi. Donc encore 2 jours à transporter ces kilos inutiles. Eh bien, j'ai donc décidé de la laisser en donativo, ici à la ferme du Sauvage. J'aimerais encore vous parler de mes ressentis sur les rencontres que l'on fait sur le chemin. Alors, il y a du bon, beaucoup de bon, mais il y a ce côté difficile. On rencontre des gens, les affinités se créent rapidement, les liens se créent rapidement. On est vrai, en fait. Les gens sont vrais. On rencontre vraiment l'âme des gens. On ressent vraiment toutes les énergies de ces rencontres. Et alors, parfois on passe des bouts de chemin ensemble, parfois quelques jours ensemble, des soirées, etc. Puis on se voit plus, puis on se revoit, puis on se voit plus, puis on se revoit. Et puis, parfois, on sait qu'on se reverra plus. On sait que cette fois, c'est fini, on se sépare. Et c'est toujours des moments émouvants, en fait.
c'est des petits deuils à faire. Je pense que ce chemin, il est là aussi pour nous apprendre à gérer nos émotions. Et c'est pas toujours facile, mais c'est bon, ça fait du bien. Qu'est-ce que c'est beau. C'est beau, c'est paisible, c'est pur. Merci la France. Physiquement, je suis en forme aujourd'hui, franchement. J'ai passé une bonne nuit. J'ai pas dormi beaucoup, mais j'ai dormi. C'est déjà ça. Et puis, franchement, 2 kilos en moins, ça n'a l'air de rien, mais ça soulage, hein. Vraiment. Alors, j'avoue, j'ai été ému de laisser ma tante là-bas à la ferme. Et je ne sais pas c'était quelle sorte d'émotion. En fait, c'est vrai qu'on embarque nos peurs avec, et tout se porte sur le dos. C'est du poids. Les peurs, c'est du poids à porter. La tente, ça représentait la peur de ne pas trouver un logement. Et bien là, voilà, je m'en suis débarrassé. Ça fait du poids en moins dans la tête et sur les épaules. Et je fais confiance au chemin, on verra. Et puis, c'est pas grave si je trouve pas une nuit ou deux et que je dois passer la nuit dehors ou dans une chapelle, dans un abribus. On verra. Ça peut être une expérience aussi. T'es piqué quoi, par le chemin. Une fois que tu l'as t'as goûté au chemin, c'est comme un verre. Tu vis chemin, tu penses au chemin, tu te ramènes vers le chemin. Et voilà, c'est pour ma part, je sais pas. Non, mais c'est vrai. Hein, c'est ça. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, moi j'ai pas envie de rentrer. Ah, ouais. Et quand tu arrives, ouais, donc je dis quand tu arrives à Santiago et que tu repars dans la vraie vie, t'as un décalage avec la société. C'est un truc de malade quoi. Ouais. Je disais, je suis contente d'arriver, mais j'avais pas envie que ça se termine quoi. Ouais, non, mais c'est violent quoi. Mais il y en a qui poussent jusqu'à Fisterra, ouais. Ah, Fisterra. Je l'ai pas fait moi. Moi non plus, j'ai pas le temps, je vais rentrer, mais je l'aurais fait sinon. Mais bon,
Bon, mon but, c'était Santiago, la cathédrale. Hier, dans un chemin étroit, il y avait des vaches sur ma gauche. Une envie pressante, j'avais envie de faire pipi, je regarde devant, je regarde derrière, il n'y avait personne. Donc, je baisse mon pantalon et je m'installe. Et puis, j'entends un chant qui vient, un chant corse, un chant, une grosse voix de, qui chante, qui venait du champ, qui venait des vaches, en fait. J'avais l'impression que ça venait de là. J'ai dit, mais il doit y avoir un fermier ou un berger qui garde les bêtes, là. Moi, sur le Camino français, c'est combien de fois, Et aujourd'hui, je marche avec Yann, qui sur le chemin me raconte, me dit qu'il chante des chants corses. Enfin, des pas corses, celtiques. Oui, voilà. On voilà. Et en fait, c'est lui que j'ai dû entendre hier quand je... Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Didier, joyeux anniversaire. À demain pour des nouvelles aventures. Ciao.